Moi gagné une information pâté chaud que m'vote pour nous là. Pâté a bien chaud et bien cuit. Me souhaiter que n'kembel nan point toujours pour ne pas bouler. Natcom nan connivence avec un paquet gros chef gang nan pays d'Haïti, on série de gros chabrak qui c'est autorité dans l'état et youn nan gros chef gang que Natcom en connivance avec lui c'est ISO 5 secondes, mais rapport ça c'est Dimitri Erard qui joue un rôle intermédiaire pour la cause ISO 5 secondes li vin youn nan puissant chef gang qui gagne journée jodi a nan Caraïbes la. Mesdames et messieurs la famille, encore une fois, c'est avec plaisir nous font entrer la caillou pour nous porter pour vous une autre très bonne émission. Comme d'habitude, si vous faites partie de la chaîne Journal Pao TV, eh bien, n'a pas demandé, faites ça kounya, abonnez, like, commentez et puis partagez. Et nous voulons connait chaque fois ou ba nou yon grand partage ou encourager m travay pi plis pou ou et ou encourager yon lot prochain rete informé. Information chaud couvè lamp. Jodi a nan grand point kap domine actualité journée 1er juin 2024 la, et bien nan description vidéo sa nou déjà wè de ki sa la pale, n'a pale de ISO Village DJ et Dimitri Erard et puis et compagnie téléphone Natcom qui nan moment là et en pile secret qui dévoilé que et Natcom li en décadi en communication avec grand chef ISO Village DJ. Et bien nous connaissons gagné Natcom avec Digicel des compagnies sa téléphone sa yo en Haïti, c'est des compagnies qui moun pa ta dwe fè yo confiance, hein, plus précisément Natcom, parce que directeur Natcom nan c'est youn nan moun qui contribué nan la mort Jovenel Moïse là, et Dimitri Erard lui-même li utilisé Natcom comme yon passage pour joindre sal besoin joindre nan. Et lui même arrivé dit et directeur Natcom nan s'il pas fait ça le besoin pour le faire, et bien l'a metté en pile caca chat de yo. Et bien et directeur Natcom ça lui même li obligé obéir et fait ça nèg village de Dieu mandé pour le faire. Et bien nous pas parler en pile non, n'a faut entrer dans journal là et n'a comprendre pour plus détails. Moi bon détail, et ça me jeune là le jour que n'a fait pays. Ma boy ou toujours même pensé ça après dans l'archive, parce que yon paquet institution dans le pays ya, yon ta supposé fermé. Yon paquet gros entreprise dans le pays ya ka fait l'argent sous deux populations haïtiennes nan, pi fort là dedans yon contribué dans le pays ya côté li là. C'est ça que fait, nat comme journée jodi ya, li gen compte pour le rendre devant population haïtienne nan. Mwen genyen yon rapport bien détaillé, bien défini. Rapport ça, li gen rapport, ouais, rapport ça, li gen rapport avec Dimitri Erard qui nan connivance ensemble avec Natcom, mais li rentré ISO 5 secondes nan l'obey là qui la cause ISO vin gen tout bois ça nan pays d'Haïti et pourquoi pas nan région Caraïbes là, et en même temps, c'est pas seul responsable vietnamien yo, mais mouche Dimitri Erard li gen gros bout de tonton relation avec un paquet colombien qui c'est criminel dernier état. Prends chez vous, m'bra l'expliquer, m'bra le bon tout détail qui essentiel yo, ça si posé qu'on est yo, parce que ici on connaît déjà, c'est nèg tout prêt là lui-même, c'est celle ici là nous pas serré information pas faire l'assassin ensemble avec information. Tendez bien. Après la mort Jovenel Moïse et arrestation Dimitri Erard. M'a rappelé nous, yo arrêté Dimitri Mkoué dans date qui était 15 juillet 2021, yo prend Dimitri Erard. Si même m'a fait un défaut. Me songe ça, yo arrêté monsieur, mais depuis les monsieur dans prison, pas oublier Jovenel Moui dans la nuit 6/7 juillet et yo t'après arrêté les avec Claude Joseph, oui. On va faciliter yo arrêté Dimitri Erard dans date qui était 15 juillet, si même m'a fait un défaut. Mais qui s'est passé?
Détail que me gagne Dimitri Era qui connaît son chef d'ailleurs depuis sous Matéli, mais ça un paquet privilège que un pile gros chef qui passait dans la police a pas de jui. Comprenez bien, bon Dimitri Era arrivé non limite, il était plus chef que DG police là. Comprenez bien oui. Et bien qui ça passé? Monsieur connaît pas prêté dans pénitencier national. Oui, il impliqué dans assassinat Jovenel Moïse, mais par rapport ensemble avec un paquet de coups mafia que monsieur fait dans pays là. Ça vient la cause, mes chers amis, les gros paquets de relations qu'il fait avec un paquet de gros bandits dans la région, eh bien, les gens connaissent les gros plans pour Natcom. Parce que Natcom, nous connaissons les Vietnamiens, ils ont impliqué jusqu'aux os dans la cause de gangstérisation dans le pays d'Haïti. Je vais m'expliquer. Après la mort, je venais, j'aime dire nous, Dimitri Era, il a arrêté, il est rentré dans la prison. Mais depuis la mission est rentrée, la mission a préparé pour évader. Et l'évasion qui s'est fait des masses là, c'est Dimitri Era qui moute plan. Et première image qui te vient joindre nous rappelons nous les que Dimitri Era yo à peine arrêté, il y a qui dit prisonnier a pesé commission dedans, pourtant c'est pas vrai. Les Dimitri Era entré en dans pénitencier national, les qu'il commence à parler avec l'autre prisonnier yo vient prendre monsieur comme un VIP, comme un monde qui vraiment important dedans parce que monsieur était dit pas prêté. Évasion t'es supposé qu'il t'en fait déjà. C'est Dimitri Era qui sent-il pour qu'au final les plans pour qu'au final bien marché, les retardés pour l'eau qui fait là. Vous avez ça me dit bien? Et première image qui t'est venue jouer nous, de où Dimitri Era t'a passé misère? Première image qui t'est venue jouer nous, les Dimitri Era t'es dans la coupe pénitentiaire nationale. Nous t'es son nègre qui frustré, son nègre qui chagrin pas tout, et c'est relax après relax, li, d'autour ni soit en boxeur ou bien bout de shot qui t'est sous lui. Haïti, li pose, li relax, il connaît son titan vin fond dedans. Et bien, qui s'est passé? Monsieur, il est en sorti en pénitencier, mais pour le sortir, il n'a pas juste aller le craser barrière. Mais monsieur a commencé, attendez bien, ça m'a dit, ah oui, monsieur a commencé par réunir un paquet de preuves, un paquet de screenshots, combien bien, et comprenez bien, un paquet de photos et vidéos qui impliquaient mafia vietnamienne. Parce que Nexo a fait coup de Matéli à Jovenel. Rentre un paquet de zame dans le pays, eh bien, mouché Dimitri Era, li se youn nan moun ki konn kou mafia sa ou bien parce qu'il gen bon relation ensemble avec Vietnamien yo. Et bien qui s'est passé? Le monsieur getan gen tout donné sa ou nan men, li fait appel ensemble avec un paquet bon alors bon joueur qu'il connaît en dans Natcom pour vinn pote l'aide. Mais non premier temps, directeur général à l'époque là, c'était Van Dai, comprenez bien? Van Dai ça lui même écrasé nan Haïti. Comprenez bien oui? Monsieur vient refuser collaborer ensemble avec Dimitri Era. Mais étant donné Dimitri Era il était joué un rôle de pont pour Jovenel et puis branche mafia dans Natcom yo, eh bien Mouchea li vinn sous menace pour dire l'a commencé par mettre dehors première information qui gère rapport ensemble avec trafic zam entre l'armée vietnamienne et puis réseau mafia tête calé en Haïti. Sous point ça, bon tout dit nous Mouche Van Dai, à cette époque, qui te refuse de collaborer ensemble avec Dimitri Era pour te faciliter le quitter pénitentiaire national, eh bien, tout ça te impliqué dans yon affaire cargaison zam, ak bal, yon te joint dans yon conteneur en dans Caribbean Port Service qui est dans la saline. Comprenez bien, oui? Et tout bagay ça aussi pour yon misya marqué pour te capable jeter lui, parce que aussitôt, détail ça, li vin prend la ri. On prend koni va se guerre avec gang pour faire zam rentrer de façon illégale dans son embargo. On cargaison rempli gros galil rempli avec munition, monsieur impliqué en parlant des anciens directeurs Natcom là. Van Dai ou bien Van Dai, je vous dis là Van Dai ou bien Van Dai, pas maman pas papa. Ben qui s'est passé? Là que mouché et m'capable di Dimitri Era, li mette information ça dans la rue, mais information remontée de Vietnam et États-Unis. Ben résultat final là, ancien directeur a yo getan wete misye nan poste li et yo pral remplacer l. Alors un moun ki t'a pral remplacer votre ko même konnen s'il t'a pla. Votre ko jwenn remplacer pou li non, mais yo getan wete misye nan poste là parce que yo pa vle secret yo ou bien yo pa yo pou kembe on prestige, pou kembe on standard nan compagnie Natcom, yon directeur impliqué nan cargaison zam non pays ki si difficile, et ben yo tout jeté misye place à tête on j'en vide. Mais pral gen l'autre cap vini en septembre 2022, monsieur qui c'est Nguyen, oui
Donc, par contre, mes amis, ça est non que ma banne, mais si vous cliquez sur, vous allez faire recherche sur non, il y a bon image mouna, et c'est lui-même jusqu'à présent qui est actuel DGA. C'est ça qui m'a comme détail. Et bien, Michel Elvini, puisque tu es en conseil de route, les connaît qui connivence, et capable de dire mafia vietnamien ou gagné avec et autorité haïtienne à cette époque, de Matéli et Jovenel Moïse. Eh bien, monsieur vini pour tenter réparer dégâts yo. Monsieur vous un paquet moun, comprenez bien oui, et pour aller discuter ensemble avec Dimitri Era pour voir comment tu ka fait bagaille là en l'autre gens. Mais Dimitri Era pas elle pas tendez monsieur dit, li besoin un bras financier et stratégique pour monter en plan, pas gagne kakabe devant plan ça. Ça c'est Dimitri Era pas égaré. Dimitri Era pour formation non paquet et gros pays. Comprenez bien, et c'est toute fou ça que Dimitri Era te gagné. Qui la cause on est couvert Michel Joseph Matéli t'a pas fouiller monsieur en basé Paul Li il était dit joueur ça il pas capable d'il et il était même offrir avec Jovenel te prend le déroné nèg en dehors il prend le deux bras ouvri il dit vini tonton vini dans bon équipe on prend c'est même match à cause c'est même équipe à souterrain toujours mais pas oublier dans rapport assassinat Jovenel Moïse Jovenel qui te senti vraiment intimidé il te senti qu'il vraiment pas en sécurité qu'est-ce qui t'est passé. Monsieur était ordonné avec Dimitri Erard pour te acheter 6 Galil en plus pour le mettre dans l'équipe sécurité. Eh bien, au lieu pour Dimitri Erard te acheter 6 Galil, là, comment il t'a acheté? Rapport d'enquête l'a dit 206 Galil. Et c'est Dimitri Erard qui était responsable pour acheter ZAM pour autorité. L'aime dire autorité pour administration en place là, de moucher Matéli à moucher Jovenel. Vous entendez? Kounia mande comment le fait facile comme ça pour moucher Dimitri Erard, li gen accès pour l'acheter zam, konverse li même yo toujours référé pour acheter zam pour gouvernement. C'est parce que monsieur avec un paquet mafia vietnamien, comprenez bien oui, eh bien c'est eux même li toujours checké pour voyer zam et un paquet zam qui rentre 200 galil en plus là, li pas vinn joine gouvernement vrai. C'est gang yo si maezam yo parce mafia tête calé, bandi lek, parce pas ti cause non.